Non, les célébrités ne sont pas draguées seulement par des inconnus. Parfois, elles le sont aussi par d'autres personnalités. Christophe Willem peut en témoigner. En 2015, dans une interview à Malika Ménard pour nos confrères de Télé Loisirs, le chanteur révélé par la Nouvelle Star avait confié avoir été dragué par une autre célébrité. Lors de ma première tournée, j'arrive dans ma loge et je vois un bouquet de roses, mais gigantesque. J'étais tout excité, genre, mais qui m'envoie des roses? Et là, je vois, Pierre Palmade, révélait-il à l'ancienne Miss France. Christophe Willem avait également ajouté qu'un petit mot se trouvait avec ce bouquet de roses. Un mot dans lequel Pierre Palmade mentionnait le respect pour son travail mais aussi le physique du chanteur, « Je vous trouve très séduisant » ou un truc comme ça. Christophe Willem avait particulièrement apprécié cette surprise, ce n'était pas le truc rentre dedans, mais franchement j'ai trouvé ça mignon. Je me suis dit déjà, hein, le mec il y va quand même, il ose le faire, et puis c'était plutôt sympa, donc maintenant dès que je le vois, si est-ce un peu une joke. Parce qu'un plus si est-ce quelqu'un de très gentil donc quand si est-ce comme ça, bien intentionné et tout, t'as pas envie de te marier. Et là tu te dis le mec il t'a acheté un bouquet qui a coûté une blindasse. Et j'ai trouvé ça assez marrant. Christophe Willem est-il en couple? Christophe Willem est très secret lorsqu'il s'agit d'évoquer sa vie privée. Il y a quelques années, il avait toutefois évoqué sa bisexualité. En décembre dernier, dans une interview accordée à Ciné Télé Revue, il écartait totalement la possibilité de devenir papa. J'ai des neveux, des nièces, et ça me va très bien. Des enfants imposent une stabilité, moi j'ai un besoin énorme de liberté. Si j'ai envie de partir à l'autre bout du monde, je veux pouvoir le faire. J'ai un côté trop fougueux pour fonder une famille, expliquait le chanteur.